Donc maintenant, on va voir une question 5 qui est intéressante. Dans la question précédente, on a pu montrer que le mouvement circulaire était possible. Dans cette cinquième question, on va avoir une perturbation de ce mouvement circulaire. Donc, perturbation autour du mouvement circulaire. Il s'agit d'une petite perturbation. Voyez-vous bien, ça c'est notre mouvement circulaire. On va faire une toute petite perturbation de epsilon. Ça c'est R, notre rayon, donc le rayon de notre cercle. Mais on va, donc ça c'est la particule qui décrit un cercle. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va la perturber un petit peu. Mais juste un petit peu. Quand on va faire une petite variation de epsilon, donc ça c'est un petit epsilon. Donc de là vers là, c'est R plus epsilon. Donc qu'est-ce qu'il va se produire? Eh bien, la particule, elle va avoir ce mouvement-là. Donc ça, c'est une petite perturbation autour du mouvement circulaire. Sinon, si, donc ici déjà, il faut que epsilon soit très inférieur à R. Sinon, si par exemple epsilon est juste inférieur à R un peu, qu'est-ce qu'il va se produire? Eh bien, la particule, elle décrit un cercle. Eh bien, vous allez la perturber beaucoup, hein? Donc, vous allez faire par exemple comme ça. Et puis, on ne va pas avoir ce mouvement que vous voyez, mais on va avoir quelque chose comme ça. Donc, on va beaucoup s'éloigner et la particule va faire comme ça. Donc, on va vraiment beaucoup perturber la particule. Donc ici, on a R est égal à R plus epsilon de T, bien entendu. Donc avec comme condition, il faut que epsilon de T soit beaucoup inférieur à R. On va utiliser, donc ce qui est en rouge, ce sont les choses qu'on va tout simplement utiliser. Voyez-vous bien, ici on a mr 2 moins pθ carré sur mr à la puissance 3 plus a est égal à 0. On a r est égal à r plus epsilon de t, donc il suffit juste de remplacer. Donc on va avoir ici m epsilon 2 moins pθ carré sur mr plus epsilon de t à la puissance 3 plus a est égal à 0. Donc ici on va avoir carré sur m est égal à 0. Alors, ce qui est donc sous cette forme, c'est bien. Maintenant, on va utiliser le fait que epsilon de t, il est beaucoup inférieur à r. Et plus spécialement, on va utiliser le fait que epsilon sur r, puisque epsilon elle est très inférieure à r, on a epsilon sur r, elle est très inférieure à 1. Donc, on va avoir, donc je vais travailler cette partie-là qui est 1 sur r plus epsilon de t à la puissance 3. Donc, ça c'est, je vais écrire 1 sur r à la puissance 3. Facteur de 1 plus epsilon de t sur r à la puissance 3. Alors, on va faire un petit développement limité de ça. Donc, on va avoir 1 sur 1 plus epsilon de t sur r à la puissance 3. Donc, ça, c'est
1 plus epsilon sur R à la puissance moins 3. Donc on va faire un développement limité au premier ordre. C'est à peu près égal à 1 moins 3 epsilon sur R. Donc 1 sur R plus epsilon de t à la puissance 3 égale à peu près à 1 sur R à la puissance 3 multiplié par 1 moins 3 epsilon sur R. Et je dis bien à peu près. Je vais remplacer ici. Donc, on va avoir epsilon de point moins pθ carré sur m carré r à la puissance 3. Et je vais écrire 1 moins 3 epsilon sur r plus a sur m est égal à 0. Bon, comme vous pouvez le voir, ce ne sont que des calculs d'une pure simplicité. Alors, on remarque que p carré θ sur m r au cube est égal à a. Donc on va avoir ici a sur m. Bon, j'ai tout simplement utilisé ce résultat. J'ai ici moins a sur m, il va disparaître avec ce plus a sur m. Bon, je vais effacer ça parce que ce n'est plus important. On va avoir epsilon de point plus 3a epsilon sur mr est égal à 0. C'est ça, 3a sur mr. Je vais dégager un petit peu le epsilon là, ici. Donc on va avoir ça égal à 0. Donc ça, c'est l'équation voulue. Eh bien, ça rappelle une chose, mais à condition, il faut savoir que puisque ce 3a sur mr, il est supérieur à 0, alors on va avoir donc on va donner l'équation caractéristique, machin, etc., pour aboutir, pour trouver une solution. Sinusoïdal. Donc, puisque ça, il est supérieur à 0, on a epsilon de t égale à a cosinus oméga t plus phi avec, le oméga, c'est la racine carrée de 3a sur mr qui est la pulsation des petites oscillations. Donc, ça, il s'agit d'une petite perturbation. Et comme condition, donc la condition que vous avez, epsilon de t, il est beaucoup inférieur à r. Bon, on va faire ça en valeur absolue, hein. Et puis, il faut prendre, donc on choisit a beaucoup inférieur à r. Bon, du fait que vous avez ça, hein. Si vous voulez la fréquence, c'est tout simplement 2 pi sur oméga avec le oméga est égal à ça. Donc, je crois qu'on a fini un petit peu, mais on peut écrire cette. On peut montrer que oméga est égal, donc on peut l'écrire d'une certaine forme qui est la suivante. On peut écrire que oméga est égal à la racine carrée de 3 fois a à la puissance 4 divisé par m carré sigma z carré, tout ça à la puissance 1 sur 6. Bon, pour faire ces calculs, bon, c'est d'une pure simplicité, c'est du niveau collège ou je sais pas moi. Bon, merci pour votre très très grande attention. Donc après, on va voir une dernière question.